Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 1er novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, eh bien évidemment, nous allons avoir une pensée pour tous nos défunts, pour tous les saints qui sont là au-dessus, dans l'au-delà. Et puis, personnellement, je n'attends pas la Toussaint pour avoir une pensée sur mes défunts personnels. Voilà, donc je dis encore, je répète, je souhaite une belle fête à tous les défunts qui sont de l'autre côté. Alors aujourd'hui, eh bien, avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin, et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Vous dites ça trois fois, n'est-ce pas, cette phrase chaque matin. Et vous partez d'un bon pied lorsque vous êtes positive le matin, que vous dites les phrases que je vous dis ici dans les capsules. Aujourd'hui, fais de ton mieux. Eh bien, c'est le sixième chakra. C'est la couleur indigo, c'est le troisième œil, n'est-ce pas, entre les sourcils, se trouve entre les sourcils. Et par ce chakra, eh bien, c'est le réveil de notre conscience individualisée. Et il est le lien entre notre conscience supérieure et notre ego. Lorsque ce chakra est bien ouvert et bien dans l'alignement, il est plus facile de combattre les pensées limitantes émises par notre mental est programmé par les jugements et préjugés, car nous sommes conscients d'être bien plus qu'un corps physique animé de pensées et d'émotions. La perception de vos ressentis s'affirme. Votre intuition s'aiguise et la clairvoyance est de mise. Les idées émises se réalisent dans le monde extérieur et votre vision va au-delà des apparences et se concentre davantage, eh bien, tout simplement sur les perceptions intérieures que les choses superficielles de l'existence. Maintenant, lorsque ce chakra n'est pas dans l'alignement, lorsque ce chakra circule mal, pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'acceptez que les pensées rationnelles et vous avez tendance, eh bien, à nier la notion de spiritualité dans votre vie. Vous n'avez aucune conscience de l'esprit limité que vous êtes à la base et de vos multiples ressources. Et vous vous assimilez à votre personnalité, pourtant simple costume sur la scène théâtrale de l'existence de votre âme. Alors il y a une solution, bien sûr. On vous invite à maîtriser et équilibrer, eh bien, les cinq premiers chakras pour parvenir à cette belle ouverture du troisième œil et se mettre ainsi à l'écoute de sa voix intérieure qui vous guidera pour tout. Fais de ton mieux. Tu redoutes de ne pas être à la hauteur, de décevoir et donc de te décevoir. Tu as tendance à porter le poids de la responsabilité pour tout et à être perfectionniste et tu tombes ainsi très facilement dans la culpabilité, dans la colère contre toi et la frustration si le résultat n'est pas à la hauteur de tes espérances. S'il est normal, eh bien, de culpabiliser, de ne pas avoir pu mieux faire alors que tu en avais les moyens,
il est moins normal, n'est-ce pas, de se fustiger pour un idéal que tu ne pourras jamais atteindre. Donc, sache, connais tes capacités, mais aussi, évidemment, tes limites pour les respecter. Là, on t'invite à cesser de t'identifier aux résultats pour que tes victoires ne te rendent pas arrogant et que tes échecs ne t'atteignent plus autant, si profondément. Tu sais, tomber n'est pas échouer, n'est-ce pas? Mais juste expérimenter. Alors décide, dès à présent, de faire de ton mieux en acceptant de ne pas exceller. Très beau message. Je termine avec ne plus avoir peur. J'inspire l'air qui me nourrit et me permet d'agir. J'expire ma peur et mes blocages. Ainsi, ne demeure en nous que l'essentiel, nos savoirs, nos compétences et nos convictions. Je vous souhaite une belle fête de Toussaint à toutes et tous. Je vous remercie pour votre écoute. C'est un jour férié. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous dans la douceur. Je vous embrasse et je vous dis à demain.